Et salut maître constructeur, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, l'unboxing de ma commande chez Eleven Bricks. J'ai fait une commande Bricklink il y a à peu près 4-5 jours et je viens de la recevoir, donc je suis vraiment très content, on va pouvoir déballer ça ensemble. Donc la boutique Eleven Bricks, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une boutique avec laquelle j'ai un partenariat. Vous pouvez retrouver une vidéo qui explique ce partenariat, donc qui va s'afficher en haut à droite de votre écran. Vous pouvez aller checker tout ça donc dans cette vidéo et dans la description, il y a le lien de la boutique et il y a donc le code promotionnel avec lequel vous pouvez obtenir 10% sur votre commande. Donc voilà, j'avais fait ma commande il y a 5 jours comme je vous l'ai dit. J'ai commandé pas mal de choses pour un nouveau mock, donc qui sera le mock pour le concours d'SW Lego Team. Donc si vous n'avez pas vu son annonce de concours, je vous la mets aussi en description. Donc voilà, il y a toutes ces petites pièces qui me manquaient et j'ai fait une commande et ça vient d'arriver. Donc j'ai ouvert le carton pour qu'on puisse déballer ça au plus vite et je vais vous montrer toutes les pièces qu'on a à l'intérieur. C'est parti! Notre premier élément, ce sont des plantes leaves 4x3. J'en ai commandé 14 pour pouvoir faire des arbres. Pour mon prochain mug, j'en avais pas du tout une, je crois, de mémoire. Donc voilà, ça sera parfait. On verra comment je vais pouvoir les utiliser. Ensuite, nous avons des 1x2 en green olives. Donc là, c'est pour faire du détail au sol, pour éviter d'avoir toujours la même couleur de verre. Donc assez sympa, elles sont vraiment, vraiment très sombres. Donc ça va vraiment ajouter des changements de tonalité qui pourront être vraiment très sympathiques en sol, surtout en sol un peu humide. Et vous verrez, ça sera plutôt pas mal dans le prochain mob. On enchaîne avec toujours donc des feuilles de couleur lime. Donc ce sont des plantes leaves lime. J'en ai commandé 20. Alors j'ai oublié de vous préciser que pour les petites 1x2, j'en avais commandé 40. Donc là, il y en a 20. C'est pareil, c'est pour faire en fait des feuilles de couleurs différentes sur un arbre. Donc voilà, toujours pour ajouter du détail, c'est exclusivement une commande de pièces pour du détail là. Donc voilà, pas de grosses pièces, hein, pas de gros arrivages, vous verrez de toute façon au fur et à mesure de la vidéo. Donc il y en a 20, toujours pour les arbres. On enchaîne ensuite avec ces petites briques en sand green. Alors c'est une couleur que je ne connaissais pas et je me suis dit, bah, je vais tester, je vais voir ce que ça donne. Donc c'est plutôt sympathique comme aspect. À voir maintenant où est-ce que je vais les caser, mais je pense que j'ai une petite idée. Alors peut-être pas dans le mock qui va arriver, mais dans le prochain. Mais voilà, ce sont des pièces assez sympathiques. J'avais pas de pièces comme ça en mode brique. Donc c'est vraiment cool. Donc l'intitulé, hein, c'est Sand Green Brick Modified 1x2 with comment ça se dit? Maçonnerie. Allez, on est français, maçonnerie. Donc j'en ai commandé 30, des petites pièces comme ça. Ensuite, bien évidemment, pour faire du caillou de la montagne, nous avons des slopes, des light bleach gray slope. Donc là, j'en ai commandé 20. Donc là, ce sera pour faire du caillou, des petites choses comme ça, des reliefs en bord de montagne. Et voilà, donc j'en avais quelques-unes. J'en ai pas commandé trop parce que j'ai beaucoup de slopes en gris foncé. Donc voilà, c'était surtout pour apporter une alternance de couleurs, encore une fois. Alors là, c'est un peu les plus grosses pièces que j'ai commandées. Donc ce sont des feuilles de palmier, donc qui sont de deux couleurs différentes. Vous avez les green plant leaves et les olive green plant leaves. Donc 15 de chaque. Donc là, c'est pour varier un peu les arbres, pour ne pas faire toujours les mêmes. Donc voilà, vraiment très sympathique. Maintenant, on va voir comment on va pouvoir les exploiter. Mais voilà, j'en avais absolument pas, donc bienvenue à elle. On enchaîne ensuite avec des river slope, donc en light bleach gray et en dark gray. Donc là, pareil, des slopes pour la montagne. J'avais peu de slopes en gris foncé et aucune en gris clair, donc voilà. Toujours l'alternance de couleurs. Donc j'en ai commandé 40 de gray foncé et 20 de gris clair. Donc voilà, pour pouvoir compléter les slopes que j'avais déjà. On continue avec des slopes, alors un peu différentes cette fois-ci. Moi, je les appelle les plaques de ventilation, appelez ça comme vous voulez, les radiateurs. Donc ça, j'en ai commandé, c'est bien évidemment pour faire du détail sur les bases, pour mettre donc des plaques d'aération, des choses comme ça. Donc j'en avais absolument pas, ou très peu, j'en ai commandé 20. Donc voilà, elles sont en dark gray, donc très sympa ces petites pièces. Allez, un peu de tiles avec des 2x4 tiles en gris clair. Donc là, pareil, j'en avais pas. J'ai des 2x2, bien évidemment. Vous l'avez vu sur tous mes mocs, j'en ai beaucoup. Là, voilà, je voulais en prendre des 4. C'est un peu plus simple à utiliser. Là, pour le coup, j'en ai commandé 20. Donc voilà, il n'y en a pas beaucoup, beaucoup, mais ça pourra toujours me servir.
On enchaîne avec des pièces radicalement différentes. Donc là, on a les Dark Brown Brick Round. Donc, ce sont pour faire des troncs d'arbres, des petites choses comme ça, qui sont donc en dark brown, en marron très foncé. Et à côté de ça, nous avons des Dark Tan Plate Modified avec un stud au-dessus. Donc là, qui sont en dark tan, comme je vous l'ai dit. Donc, en termes de quantité, on en a 10 pour les pièces de troncs d'arbres et on en a 10 pour les... pour les petites pièces comme ceci. Donc voilà, l'appareil c'est pour ajouter du détail, ces pièces-là, et ça donc pour faire des arbres, ça peut faire aussi des rondins de bois calcinés, donc ça peut être assez polyvalent comme pièce, c'est pour ça que j'ai... On continue avec des slopes, donc là ce sont des 1x6 slopes en gris clair, donc j'en ai commandé 20. Donc là c'est pareil, c'est pour faire du sol donc en lisse. J'en avais très peu et ça me manquait souvent dans mes mugs, vous avez dû le remarquer, il y avait parfois des endroits où c'était des pièces avec des studs et non pas lisses. Donc du coup ça faisait un peu moyen. Donc voilà, je me suis dit que j'allais en recommander, ça pourrait être toujours utile. Donc voilà, on en a de nouveau et nous en avons 20. Également 20 petites tiles en 1x4 cette fois-ci, toujours en light bluish gray. Donc voilà, comme ça on est vraiment calé en termes de pièces plates. C'est ce que je vous recommande hein, d'acheter quand vous passez un peu à un niveau supérieur en termes de mock pour donner un aspect plus réaliste au sol. Donc voilà, 20 petites pièces comme ça. On enchaîne avec des petites Trans Light Blue Plate Round avec mon accent américain. Donc là, on en a 30. Il n'y en avait plus beaucoup dans le store, donc c'est pour ça que j'en ai si peu. Sinon, j'en aurais commandé la masse, puisqu'il va donc falloir que je fasse de l'eau. Mais néanmoins, c'est pas plus mal. J'en avais déjà un petit peu. Donc bon, au fur et à mesure, on va arriver à avoir une belle quantité de ces petites pièces qui sont assez sympathiques. J'aime beaucoup la couleur. Donc voilà. Plus que 3 petits sachets, à commencer par celui-là, des petites 1x1 en plate dark tan. Donc là, c'est pour faire du relief au sol, bien évidemment. On en a 30, donc voilà, j'en avais quelques-unes déjà, vous avez pu le voir dans ma dernière mock, Hope Under the Mountain. J'en avais déjà utilisé, et là, il m'en fallait plus pour le mock que je prépare. Donc voilà, ils sont là. On enchaîne avec des Medium Dark Flesh Plate Round. Donc là, c'est pareil, toujours pour faire du détail au sol. Une couleur, ma foi, fort sympathique, qui se rapproche un peu du Dark Tan. Donc, très bien. Écoutez, c'est vachement sympathique comme couleur. Donc pareil, toujours du détail au sol. Et enfin, pour armer nos soldats, j'ai recommandé quelques blasters parce qu'il y a des fois où je manque de blasters pour les mocks. Donc voilà, des pistolets et des blasters donc, qui me serviront, je l'espère, très prochainement. Sachant que dans le prochain mock, je vous tease un peu, il n'y aura pas forcément de soldats. Vous allez voir comment ça se combine. Mais voilà, j'ai recommandé quelques armes. Écoutez, il y en avait dans le store, donc je ne me suis pas privé. Voilà, je vous remets un peu toutes les pièces sous le nez. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, ce petit unboxing. Donc, je remercie énormément la boutique Eleven Bricks pour avoir fait parvenir ma commande assez rapidement. En tout cas, la qualité est vraiment géniale. Toutes les pièces sont emballées dans des sachets, il y a une très bonne protection. Et la communication est géniale, tout est fait très rapidement. Donc bravo, un grand bravo à lui. Je vous recommande vraiment d'aller sur sa boutique. Il y a pas mal de pièces, en plus il en rajoute vraiment, vraiment régulièrement. Donc foncez le retrouver, je vous mettrai tout ce qui peut vous intéresser sur lui dans la description. Comme ça vous pourrez vraiment, vraiment checker tout ce qu'il fait. Et puis moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous redirige vers celles qui sont sorties il n'y a pas longtemps, donc la review du set Acto Island Training et Hope Under the Mountain, mon dernier mock. Si vous ne les avez pas vus, n'hésitez pas à les regarder. Et puis on se retrouve très prochainement, sûrement pour une update du mock pour le concours d'SW Lego Team. Sinon, si je ne fais pas d'update, vous verrez le résultat final quand la vidéo sortira. Comme je vous l'avais peut-être vu sur les réseaux sociaux, il y aura un best-of qui va sortir de la chaîne des deux dernières années. Donc le temps que je le fasse, ça va me prendre un peu de temps. Je précise
Je précise que dans cette vidéo, il y aura les retours sur le Lego quiz, puisque j'avais dit que j'en ferais un best-of là aussi, mais je vais le caler dans cette vidéo. Comme ça, voilà, on fera vraiment un best-of de tout ce qui s'est passé sur la chaîne. Et puis voilà, j'ai pas mal de surprises qui arrivent, mais elles sont pas pour tout de suite. Donc il va falloir attendre encore un peu. En tout cas, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à me donner vos retours dans les commentaires, des idées si vous en avez. Et moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao les gens!